Un proverbe philanthropien dit que si Jésus était vraiment venu sauver le monde, la malédiction n'aurait plus jamais existé sur cette terre. Un proverbe philanthropien dit que si tu respectes ton père et ta mère, tu seras toujours béni. Tu ne seras jamais maudit, tu n'auras jamais la malédiction. Et si tu manques de respect à ton père et à ta mère, eh bien tu es maudit. Et c'est pas Jésus qui viendra te sauver, ou un esprit quelconque de qui viendra d'ailleurs qui viendra te sauver. Un proverbe philanthropien dit que les seuls et uniques sauveurs d'un individu sur terre, c'est son père et sa mère. Point. Respecte papa, respecte maman, eh bien tu seras toujours béni. Et là tu vas prier Dieu n'importe où, Dieu t'écoute. Parce que papa et maman, ce sont les dieux de l'enfant. Papa et maman représentent Dieu sur terre. Donc si tu manques de respect à papa et tu manques de respect à maman, eh bien tu ne respectes pas Dieu. Tu manques de respect à Dieu. Et c'est pas partout où tu vas aller prier là-bas que Dieu va t'écouter. Dieu ne t'écoutera jamais. Philanthropien dit que le futur n'est pas un secret. Tout le monde est susceptible de voir le futur. Tout le monde peut voir le futur. Pour voir ce qui va se passer dans le futur, il suffit tout simplement de savoir ce qui s'est passé dans le passé, ce qui s'est vécu dans le passé, ce qui se vit aujourd'hui, et ça donnera ce qui se vivra demain. Donc en fonction de ce que tu as vécu dans le passé, et en fonction de ce que tu vis dans le présent, et bien ça donnera ce que tu vivras dans le futur. Un proverbe philanthropien dit que le paradis et l'enfer se trouvent sur cette terre. Sur cette terre vivent des personnes heureuses. Sur cette terre vivent des personnes malheureuses. Et tout ce qui se vit dans ce monde-là est dû à ce qui s'est vécu dans le passé. Dans le passé, il s'est vécu des bonnes choses. Il s'est vécu des mauvaises choses. Dans le présent, il se vit des bonnes choses. Dans le présent, il se vit des mauvaises choses. Et bien dans le passé, dans le futur, il se vivra des bonnes choses. Dans le futur, il se vivra aussi des mauvaises choses. Tant que nous faisons des mauvaises choses, eh bien, on vivra les conséquences toujours dans l'avenir, dans le futur. On fait des bonnes choses, on vivra les conséquences de ces bonnes choses-là dans le futur. Le futur n'est pas un secret. Si tu veux que ton futur soit bien,
comblé de bonheur, et bien c'est à partir de maintenant qu'il faut faire les bonnes choses, faire des bonnes choses qui te permettront de vivre dans le meilleur, dans le futur. Mais si tu fais des mauvaises choses aujourd'hui, et bien les conséquences des mauvaises choses que tu fais là, bien, tu vas les vivre dans le futur. Donc le futur n'est pas un secret. Tout le monde est susceptible de voir le futur. Et tout le monde est susceptible de modifier le futur. Mais si tu veux modifier le futur, c'est à partir de maintenant que tu dois commencer à modifier le futur. Si tu as fait des mauvaises choses, c'est maintenant que tu dois faire les bonnes choses, faire des choses qui te permettront de vivre mieux dans le futur. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Seul Dieu avec la parole. La parole était Dieu. Avec la parole, Dieu créa le ciel, la terre, les plantes, les animaux, les choses et les êtres. Mais quand Dieu a créé les choses et les êtres, mais il a d'abord pensé. Quand il a créé le ciel, il a pensé au ciel. Et par la parole, il a créé le ciel. Quand il a créé la terre, il a d'abord pensé à la terre. Et par la parole, il a créé la terre. Il a pensé à l'homme. Et par la parole, il a créé l'homme. Il a donné aux choses et aux êtres vivants. Il a donné aux êtres vivants et aux choses la parole. Les hommes, les êtres vivants pensent. Les hommes, les êtres vivants ont la parole. Les choses ont la parole. Et l'image de Dieu chez les êtres vivants, eh bien, c'est tout ça. Dieu, il est universel. Ce que Dieu a créé, c'est universel. La parole est universelle parce que les choses et les êtres ont la parole. Les animaux ont la parole, les plantes ont la parole, les hommes ont la parole. Les choses et les êtres ont la parole. Les êtres, les choses et les êtres ont une pensée. La pensée, c'est tout simplement le représentant du plan spirituel chez les êtres. Tout le monde a un plan spirituel. Dieu, il est spirituel lui-même avant tout. Est-ce qu'il n'y a que l'homme, qui a la pensée? Il n'y a pas que l'homme qui pense, les choses et les êtres pensent. Et l'image de Dieu chez les êtres vivants, eh bien, c'est tout ça, c'est la pensée. Avant de mettre un projet en place, tu penses d'abord au projet, ensuite tu accouches l'esprit par la parole et le projet voit le jour dans l'avenir. Mais c'est comme ça que Dieu a créé l'homme. Donc l'image de Dieu chez les êtres vivants, eh bien, c'est tout ça. Le bien et le mal, Dieu a créé le bien et le mal. Et le bien et le mal sont des esprits universels. Mais ça fait partie de l'image de Dieu chez les êtres. Dieu n'a pas créé le bien et le mal pour faire des mauvaises choses. Parce que le pouvoir, c'est le bien et le mal. Le pouvoir, c'est la connaissance du bien et du mal. C'est toi qui dois gérer le bien, c'est toi qui dois gérer le mal. C'est toi qui dois gérer ces deux forces-là. Avec le pouvoir, tu peux faire du bien, comme avec le pouvoir, tu peux faire du mal. Mais si tu te laisses gérer maintenant par ce pouvoir-là, là, tu peux devenir fou. C'est comme quand tu es dans une voiture. Vous voyez que c'est ça, toi qui maîtrises la voiture, qui conduis la voiture, c'est maintenant la voiture qui va t'entraîner n'importe où, par-ci, par-là. Ça pourrait même t'entraîner même dans un ravin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su maîtriser la voiture, c'est la voiture qui te maîtrise même maintenant. C'est pareil que les forces-là, le bien et le mal, c'est toi, l'être vivant, qui doit maîtriser ces forces-là. Donc, l'image de Dieu chez les êtres vivants, eh bien, c'est tout ça. Tous les êtres sont à l'image de Dieu, que ce soit les bons, que tu sois bon, mauvais. Tout est à l'image de Dieu. Même un serpent, il est à l'image de Dieu. Parce que le serpent, il a une pensée. Il a une parole. Tous les êtres vivants, même le diable, il est à l'image de Dieu. Il n'existe pas un esprit sur terre ou un être vivant sur terre qui n'est pas à l'image de Dieu. C'est faux. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous apporte les bonnes choses, que vous soyez toujours heureux, que ceux qui cherchent les femmes trouvent des femmes, que ceux qui cherchent les hommes trouvent des hommes, qui se marient, qu'ils procréent, qu'ils aient beaucoup d'argent, que 2009 vous apporte tout ce que vous attendez depuis longtemps, depuis des années, que 2009 vous les apporte.
la santé, la longévité, l'amour, la joie de vivre, la paix, la tranquillité, les voyages, beaucoup d'argent, le bonheur infini. Allez, à plus et beaucoup de bénédictions à vous. Merci. Que Dieu soit avec vous.